Voilà, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je continue mon petit série sur ma vente en ligne. Voilà, on a déjà vu ceci. On va le mettre de côté, celui-là, il est reprogrammé. J'ai oublié de dire dans la dernière vidéo, si vous avez besoin que je vous rende des fréquences, je peux vous le faire, jusqu'à 16 canaux. Ces appareils, ils prennent jusqu'à 255 canaux. Si vous en voulez plus après, ça prend beaucoup de temps. Mais vous pouvez me donner une liste et puis je peux vous donner un prix sur la programmation, au moins des radios. Au moins, si vous en achetez quelques-uns, comme ça, ils vont marcher entre eux, car la fréquence que j'utilise pour tester, c'est une fréquence radio amateur. Alors, c'est bien mieux de la changer. Mais je laisse la fréquence 145-500 programmée dedans pour faire des essais chez vous et des choses comme ça. Mais si vous avez besoin de relais, toutes sortes de fréquences rentrées dedans, je peux le faire si vous me faites un mail ou vous me contactez. Et puis si vous voulez les 255 canaux de enregistrer dessus, je peux le faire. C'est que ça prend un peu de temps et la livraison va être en délai car ça prend beaucoup beaucoup de temps. Voilà. Alors ici, on a la même chose, un Motorola GP380. Celui-là, il est un beaucoup mieux état que l'autre. On a des boutons, ils sont un peu marrons, mais bon, ils sont beaucoup plus blanches que la dernière. Voilà. Sur l'écran, il y a une petite rayure, mais je ne pense même pas que c'est une rayure. C'est comme de la colle ou quelque chose. Si on arrive à voir, mais voilà. Sinon, le devant, il est pareillé. Sur le côté, j'ai le cache pour lui. Derrière, où il y a les boutons, très très propre. Les boutons sont un petit blanches, un peu blanches, et il y a un petit crack ici. Mais sinon, il va tenir la route. Hein. Il faudrait peut-être les laver un peu. Ils sont en bon état quand même. Voilà, une antenne encore. Si j'arrive, celle-là va pas venir avec, c'est l'antenne de test. Si j'en trouve dans mon bazar, je vous le mets avec. Voici derrière. Très très bien. Hop. Les numéros de série, c'est du VHF, hein. Les deux c'est du VHF. Tac tac tac, le bouton très solide, tout se clique. Il y a une batterie. Bon, elle tient pas la charge non plus, hein. On va allumer. Hop, c'est allumé, canal 1. Je prends le petit Toki Icom. Un, deux, trois, deux, trois. Test radio de F4GUC. Un, deux, trois. Les batteries tiennent par un ici. Ça fait les 5 ans qu'ils sont dans des boîtes. Hein. Ils sont presque neufs. Hein. J'en ai des neufs aussi que je vais vendre dans les boîtes, même pas programmées. Voilà. Sinon, ça marche très très bien. C'est du bon matériel. Ça va être pour le lot numéro 2. Voilà. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Hop. Merci.